Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un petit live de chasse au safari sur Soul Silver. Si la 3DS veut arrêter de bugger. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Ouais, bon, je pense qu'elle bug. Oui, bon, le micro il est pas assez fort, ça c'est sûr. Je vais peut-être un petit peu le rapprocher, attention, ça risque de faire un petit peu de bruit. Allez. Donc normalement ça devrait s'enchaîner excessivement bien, c'est rapide. Et je peux même faire quelque chose à côté presque. C'est la matinée, j'ai pas forcément envie de faire on va dire beaucoup de chasse à côté, sachant que je peux aller jusqu'à facilement 4-5 consoles. Donc faudrait quand même que j'aille dans les herbes, ce serait mieux. Là, aussi enlever le son. Donc c'est un petit live reprise, c'est pas, je sais pas quand est-ce que sera le prochain. J'essaie d'en faire quand j'aurai le temps, surtout en plus avec les vidéos à faire. Donc je sais pas si je vraiment, puis j'avais vraiment une baisse de motivation pour live. Ce qui était juste hallucinant. Allez. Alors, je pense que je vais faire une petite heure et demie de chasse, puisque j'ai quand même des choses à faire fin de matinée. Peut-être que je reprendrai dans l'après-midi, je sais pas. À voir. Ouais, t'as pas tu parti. Peut-être que le live me motivera à vraiment faire beaucoup plus de rencontres au safari. Ce serait bien. Sachant que si j'arrive à choper Fouinette ou un Shiny de ce bloc, je pense que je vais essayer le Hardbok. Et après. Allez.
petite musique douce, Phallos de le Soul Silver et Hot Gold. Ce sera toujours mieux que la musique du Safari. Des rencontres qui s'enchaînent. Allez. Donc comme la vidéo sera sur YouTube, donc pour ceux qui me suivent au niveau des vidéos, des tutos localisation, ne vous inquiétez pas, il y en a en préparation, c'est juste que c'est beaucoup plus long et plus dur quand il s'agit par exemple de Tarpo à faire ou de Morpheo. Après voilà, s'il y a des personnes... N'hésitez pas à mettre un commentaire en fait sur YouTube si vous voulez vraiment que le tarpo par exemple en SOS, vu que c'est très très long à le faire pop, si vous préférez que ce soit fait en live ou si je coupe tout simplement. N'hésitez surtout pas à me le dire. Allez. C'est assez rapide, mine de rien. Ou alors c'est moi qui me gourre dans les chiffres. Mais le fait qu'on n'ait pas l'apparition de notre Pokémon, c'est génial. Après, il manque juste un petit peu de chance. J'espère pas faire forcément un très gros chiffre en ce moment sur les... Je fais que ça. Quasiment. Ma version blanche a plus de... On doit être à plus de 11K. Et un petit Fouinard, ça fait longtemps. En plus, Fouinard est super mon shiny. Magnifique rose. Dans les commentaires YouTube, j'avais la question, voilà, quels sont mes shiny préférés? Fouinette en fait partie. En fait, j'en ai pas un, j'en ai plusieurs. Le rose de Fouinette, il est trop mimi. C'est le Pokémon kawaii par excellence, on va dire. Allez, on va voir si ça s'enchaîne bien. Salut Digis Survivor, comment ça va?
Allez. Je crois que si la musique est trop calme, je pense que je vais niquer la VOD, tant pis, mais je vais mettre de la musique qui réveille. N'hésitez pas à dire si vous chassez en même temps ou non. Espérons que vous ayez de la chance. Je suis pas réveillée du tout. Je reprenne aussi les risettes du brin d'hibou. Ouh. Oh l'envie. Heureusement que je suis du safari ce matin, parce que si je faisais les risettes de brin d'hibou, je pense que je dormirais sur place. Tellement c'est chiant. Il se passe rien encore pire que le saf, que des rencontres comme ça. Ah là là. Pas quand même pas là. Non.
Allez, je crois qu'en plus je suis malade. Magnifique. Oh, métamorphe, youpi. En fait, aucun. Enfin, tous les Pokémon de la zone, je les ai pas en shiny, donc à la rigueur. Même si c'est pas fou net, ce serait pas mal. Ouais. Oui, je parle toute seule. Non, je ne suis pas folle. Est-ce qu'il y a eu des captures de fête depuis hier? Non. Que si, j'ai pas mis à jour. Oh merde, je crois que j'ai pas mis à jour le classement. Oh bah je le ferai tout à l'heure du coup. Hey, salut petit potam, ça va? Ah, ça fait très 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 longtemps en effet. C'est manque de motivation en live. Et surtout, bah. Disons que je suis plus axe. Enfin, je suis plus partie sur faire des petites vidéos courtes sur YouTube en fait. Et après, le. Entre gérer, enfin essayer de créer des événements sur PokéTools et IRL, c'est un petit peu carton plein. Je sais pas si le rythme de live va reprendre comme avant, mais je compte relive au moins un petit peu de temps en temps. C'est, on va dire que je me suis fait un peu trop oublier. Ce qui serait génial, c'est que le shiny tombe. J'en suis. Puis d'habitude, avant je liveais, c'était plus en après-midi, enfin ça dépendait, j'avais pas forcément des horaires, des fois c'était le soir, enfin bref. Là je sais pas, je suis tombée du lit. C'est rare. Tu chasses quoi, petit Botan? J'espère avoir de la chance, on va voir. Surtout qu'il va falloir qu'il faut pas que je loupe le Pokémon, sachant que c'est du Safari. Ça, c'est une autre histoire.
Chassé, j'ai pas mal chassé avec la WSHC. Et à Sunny Moon, je disais, je vais reprendre vraiment les lives. Parce que c'est une période au niveau boulot qui est un petit peu plus calme. Et au final, avec ma boutique Magic sur Magic Art Market, j'ai rien fait. Et quand je voyais le nombre de streamers qu'il y avait, des petits streamers, je me disais, non, c'est bon. C'est surtout qu'il y avait des streamers que je connaissais, que j'aimais pas. Je voulais pas forcément faire la concurrence et je me disais, non, c'est bon. En vrai, il y avait beaucoup de... Enfin, je trouve que même sur Twitch, à l'heure actuelle, il y a beaucoup trop de chasse SOS. Même Masuda avant, c'était pas forcément... quand je commençais à streamer, c'était pas forcément très répandu, mais là, c'est il y a plus que ça. C'est vraiment dommage. Ouh là là, pièce de l'aventure. Oh là là, j'en ai des mauvais souvenirs. J'avais essayé de le reset en chez nous, mais je me disais si jamais il tombe en strat, enfin, avec des bonnes stats en strat, je prends. J'ai pris le strat. Je me suis dit je ferai avec les passions. Pour l'avoir vraiment en shiny quoi. Parce qu'il est vraiment trop long. Je sais pas si. Quel est le pire entre Brindibou et ça. Je pense que ça doit être le Latios parce qu'on est obligé de passer. Enfin, on est obligé de faire le combat, d'être un minimum attentif. Et le Safari pour aussi. Moi, j'avais ma soudée Fennec, donc du coup, j'ai mon Goupelin Shiny Strat. Et c'est vrai que le Safari, c'est pas mal dans le sens où, si tu veux, toute la famille, juste pour compléter ben, le stade Roussil. Et en plus, je le trouve très bon en Shiny. Au moins, c'est pas des couleurs très courantes. Je crois que c'était Xana aussi qui tentait le Latios ou le Latias de l'aventure. Je crois qu'elle a toujours pas passé. Ouais, c'est pire que le Brindibou. Niveau temps et niveau, je pense, concentration. Tandis que Brindibou sur Sun Moon, c'est bourré la touche A. Après, c'est vrai qu'il est... mal assez facilement quoi. Oh, ça fait plaisir de voir un ancien habitué. En tout cas. Et ça va faire bientôt une centaine de rencontres depuis que j'ai lancé le live. Ça avance bien. Je sais plus si c'est... Il me semble que c'est ça. Grenousse, en vrai, c'est... c'est Asfam. Si tu fais vraiment leur Phinobistrat, vu que... Protéin, c'est la meilleure... le meilleur talent, tu peux très bien avoir assez facilement un Grenousse avec Torrent. Donc du coup ça complète assez bien. Ça c'est si d'un côté si t'as pas de chance. Moi j'ai eu directement le protéin jouable, je fais ah. J'étais assez content d'ailleurs. Mais disons que ouais du Masuda c'est moi franchement j'adore cette technique parce que j'adore les shiny strat. Je trouve que pour moi certains diront oui la valeur parce que le niveau rareté c'est le 1 sur 8192 ou ça. Pour moi, je trouve qu'un shiny strat qui est jouable a plus de valeur. Mais c'est personnel. C'est pas à peine de sortir les fouets et de lyncher. Non, c'est bon. C'est personnel.
Après, c'est très long, certains Pokémon à Massoudre, mais c'est une horreur. C'est le safari, il va 4 fois plus vite. Hein. Mais après, c'est bien de changer de technique, des fois, si tu veux. Enfin, parce que c'est tellement long, le Massoudre est tellement chiant, que faire un petit même, une technique assez rapide, ça fait toujours plaisir. C'est, je prends ça comme vraiment de la détente. Et Massoudre sur Sun et Moon, à moins vraiment qu'il faille vraiment un egg move. Pas un egg move, un move tutor sur Rosa. Je trouve que le Massoudre est super. L'élevage sur Sun et Moon, c'est top. C'est rapide, c'est. J'ai rien à dire là-dessus. C'est tellement bien qu'en fait j'ai. Je me disais pour mes shiny Massoudre, je prends en général le charme chromage, j'ai même pas envie de le prendre. Même pas quoi. Et en plus avec Lilo, c'est génial. Je peux faire autre chose. Les trois portées peuvent éclore. Là, je crois que ça fait ça en gros depuis le début du live. Une trentaine de minutes, ça va, c'est pas mal. Pas mal du tout. Je sais ce que c'est en fait. Moi, c'est. En fait, le Pokémon qui m'a le plus fait chier en n'ayant qu'un talent, vraiment un talent, c'est. C'est Pyrax. La Pyronie. À chaque fois, les IV mal placés. Au bout du troisième, enfin, j'ai eu le. Le Shiny Strat, quoi. Le 6IV. Le 6IV troll. Sachant qu'en plus on peut même pas mettre une pilule talent pour le Dreamworm. Oh là là. Je compatis. Celui que j'ai arrêté direct parce que c'est. Pas forcément le shiny que je cherche, que je préférais faire en Masuda. Et en plus qui est super chiant parce qu'il a trois talents, donc le Dreamworm pour l'avoir, en plus il sortait pas souvent, c'était Nefix. Ah, j'étais contente de l'avoir sur le coup. J'étais moins contente de voir qu'il est frein au lieu de farceur. Je crois qu'il m'a fait tellement rager celui-là, j'ai fait toi, c'est bon, allez dans la boîte et c'est bon, fini. En vrai, faudrait que je le refasse un jour, mais j'ai tellement, en fait, j'ai tellement de Pokémon que j'aime qu'il faudrait que je m'assoude, j'ai pas le temps. Plus après les petits events comme ça, les petites compétitions à droite à gauche, c'est bon, en fait, j'ai pas le temps. Oh purée, Line. Bravo, si tu es du premier coup, moi, c'était une plaie. C'est, je sais pas, Ténéfix, même pas. Alors qu'Alligator avec le. La Calminus avec le talent Dreamworld direct, le truc jouable, j'en ai fait plus. Ah, j'ai plus d'un. Le prochain que je vais m'assouder, ça va être Brindibou, mais avec des egg moves un petit peu de partout. Donc en distribution, ça va être top.
Faut juste que je trouve du temps à le faire. Déjà de l'avoir saisi, ce serait pas mal. Et après le shiny, ce sera super. Là, la musique du casino, elle est géniale. Mais en fait, c'est ça, en fait, les shiny Masuda, tu n'es satisfait que quand il est vraiment strat parfait. C'est à la rigueur qu'il y ait une stat pas importante, mais qu'il soit un peu plus basse que les autres, qu'il soit pas forcément le 5 IV parfait, mais quand ils sont jouables, c'est la joie, quoi. Bon, maintenant, avec les capsules argent, c'est plus facile. On peut se dire, voilà, il faut qu'il ait bon talent et qu'il soit 5 IV, après c'est fini, quoi. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est... En fait, le Masuda, c'est... Tu es tellement content, en fait, satisfait, parce que l'élevage, mine de rien, ben, tu vas faire, pour qu'il soit strat, tu vas chercher à faire les egg moves. Donc déjà, ça prend du temps à faire des... Parce que des fois, c'est des chaînes de 2-3 Pokémon pour le faire. Ensuite, tu vas monter ton Pokémon, les Pokémon 6 IV. Ensuite, tu vas continuer l'élevage. Ça prend énormément de temps. Ok, c'est une méthode où le taux est d'avoir un shiny est augmenté, mais ça prend du temps. Et en plus, quand c'est un dragon, c'est encore pire, c'est une plaie. Le temps d'éclosion est juste ignoble. Mais tu es tellement satisfait, en fait, quand tu as le shiny que tu veux. Tu l'as tellement... En fait, tu l'as créé de toutes parts, ton shiny. C'est ça, vraiment, je trouve, là, en Masuda, qui est intéressant. C'est, tu es allé chercher ce qu'il faut. Après, tu le montes, tu lui mets de bons sets. T'es tellement content de l'avoir. T'es tellement content qu'après, tu peux te la péter dans les tournois en ligne et tout. C'est le petit truc, en fait, qui fait que le shiny Masuda, moi, personnellement, j'adore. Oui, c'est pas du 1 sur 1192. Oui, c'est pas forcément les plus durs à obtenir, je sais, mais ça prend du temps. Du temps, voilà. Beaucoup de temps. Et ce qui est aussi l'effet, le double effet, c'est que tous les rebuts d'élevage, qui sont 5 IV, voire 6 IV parfaits, ben, c'est aussi le plaisir de distribuer. C'est le Masuda, en fait, ça génère deux choses. Parce que y a toujours des gens qui sont contents de récupérer des Pokémon Strat, en fait, même s'ils sont niveau 1. Bien que le nombre de distributions pullule de Pokémon hackés shiny niveau 100, je crois que les gens sont pas... Faudrait qu'ils se réhabituent à monter même le Pokémon, faire les EV... Tout ça, et qu'on leur mâche pas le travail. Qu'on leur donne pas tout de suite. Alors le Navidex, c'est une technique que j'aimais bien, dans le sens où, surtout pour les lives, c'est très vivant. Surtout quand tu fais du Navidex en grotte ou sur l'eau, c'est un petit peu rageant. Le Poké Radar, c'est ce qu'il y a de mieux pour live, parce que c'est de la rage. Franchement, c'est ce truc, c'est un instrument de torture. Mais c'est tellement vivant, en fait, que c'est intéressant. Le SOS, par contre, je trouve ça dégueulasse. Déjà, quand je fais des vidéos là de localisation, que je dois faire du SOS, je me dis, déjà, le Pokémon, il vient pas forcément. Alors, quand il est rare, genre un petit Tarpo ou Morpheo, je m'arrache les cheveux. Mais vraiment. Masuda, c'est vraiment la conception. Déjà, tu vas construire une équipe. Déjà, tu as la satisfaction de faire ton équipe. Et en plus de ça, tu veux le shiny. Donc tu veux un truc, voilà quoi, c'est vraiment de la création du Pokémon de A à Z, sans le générer ou quoi que ce soit. Tu vas essayer de lui mettre une jolie bolle, tu vas être... Voilà, c'est plus ça qui me plaît dans le Masuda, personnellement. Salut Happy, comment ça va? Oh mais Rage Radar, en live. C'est vrai que ça me manque, hein. En plus, j'ai perdu totalement la main. Donc franchement, un live Poké Radar, ça vaut vraiment le détour. Puis le SOS, ce que je trouve, c'est que pour les EV, c'est pas efficace. Je trouvais les hordes largement plus rapides et accessibles.
Et pour avoir le talent de Rimworld, je préférais nettement le Navidex où on voyait qu'il était lésivé, les Eggmoves, on voyait tout. Et s'il tenait un objet, donc c'était beaucoup plus pratique que là, c'est vraiment aller à l'aveuglette. J'aime pas. Je sais pas, j'ai essayé, mais j'aime pas. Resets. Ça va, encore, c'est le taux est pas atteint. Bon, il y a de quoi commencer à se dire, j'en ai un peu marre de ce Pokémon, mais ça va. Allez, légendaire, je dois avouer que c'est, je coupe pas forcément après. Il faudrait que je sais qu'il faudrait que je mette. C'est pas que j'aime pas les resets, c'est que je préfère en général les rencontres ou quelque chose qui demande peut-être moins de manipulation, ou peut-être pas forcément moins d'attention, parce que reset en shiny ça m'est déjà arrivé. Rip le Germignon, heureusement c'était pas en live. Ah non, je peux faire ça. Je suis fatiguée. Voilà, c'est bien fui. À 70 millions, purée. Je crois que j'aurais rage quitte. 70 000 resets. Oh, yay, yay. J'imagine assez, petit potam. J'imagine assez. Après, c'est vrai que pour le Masuda, c'est. Ça m'arrive également d'aller en échange de miracle et des fois d'essayer de récupérer des Pokémon parce que avec les bols de Johto, tout simplement. Ou s'ils ont un ou deux Eggmoves, ça peut être pas mal. Coucou Manimal. Non, je ne suis pas sur Sun et Moon, je suis sur le Safari de Soul Silver pour la compétition de la Tools STC. D'ailleurs, je pense que ça doit se voir que c'est pas Sun et Moon. Mais bon, ça change de Sun et Moon. Ça change un petit peu. Nivelle-Tal, Xerneas, je pense que c'est la distribution. Dans les Shiny, même Zygarde. Je compte vraiment ce que j'ai chassé. Légit. Je l'avais compté ou pas? Bon, c'est pas grave. Non, franchement, les shiny, faut vraiment compter ce que tu chasses vraiment, parce que ce que tu en échange miracle, tout ça, pour moi, ça compte pas. C'est la moitié hackée, pour pas dire totalement. Pareil, les shiny distribution, c'est des shiny, mais distribution, c'est pas la même chose que de galérer à l'avoir. Là, j'avais les trois chiens légendaires en shiny. Enfin, j'ai Dialga, Palkia, je crois, avec Giratina, mais c'est des distributions, je les compte pas dans. Je les garde dans un coin, mais sans plus. Après, bon, mon premier shiny, ça date. Hein. Bah, disons que si t'as chassé Xerneas, c'est avec une axe. Enfin, avec. Je vois pas comment, vu qu'il est shiny luck en fait. À moins d'avoir un hack.
ou une ou sur émulateur une Acron ou un randomiseur à la rigueur. Un 12 millions de resets, ça fait quand même pour une version sur 1 sur 1892. 1596, c'est pas. Non. 1 sur 4096. Faudrait quand même que je me mette un petit peu au clair avec les taux, moi. Ok, une version modifiée, ok. Ça explique. Oh, c'est les Shiny Hazard, tu t'y attends tellement pas, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est si tu connais pas, tu fais mais. C'est limite le réflexe, mais elle a bugué la version? Ah, c'était sur mon premier Shiny, c'était sur version, je crois, Crystal, donc ça date. Et c'était un ratata, c'est, je vois les étoiles, mais franchement, les étoiles 2G. Waouh! Si t'avais l'impression que c'était une attaque, tu fais qu'est-ce qui se passe? C'était avant le Léviathan rouge, donc du coup. C'était la panique totale. Je l'ai capturé parce que je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai sauvegardé et j'ai reset le truc et au final c'était bien. Enfin le truc il était couleur modifiée. Je savais pas du tout ce que c'était. C'est ça choque sur le coup. Je me souviens aussi d'un Shiny Hazard sur Soul Silver, j'étais dégoûtée. Shiny Hazard à Magikka. Alors qu'il y a le Léviathan rouge déjà disponible dans le jeu, j'ai fait non. Non, juste non. Ouais, c'est ça. C'est mais what the fuck, en fait, quand tu connais pas, que tu t'es pas forcément intéressé au Shiny, et que tu vois ça, c'est... Soit tu resets par réflexe de dire, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, ou alors tu dis, bon, je le capture et je regarde si c'est vraiment un bug ou pas. Mais oh, Shiny, c'est... Franchement, c'est joli. Ah mais voilà, c'est si tu as quelqu'un qui te dit que c'est un shiny, à ce moment-là, c'est vrai que c'est bien. Mais quand t'es tout seul, comme je dis, dans le doute, on capture. C'est clair qu'il est classe, ouais. Non mais c'est quand tu connais pas en fait, c'est vraiment dommage. Disons que ça fait du bien de temps en temps d'avoir un petit shiny hasard, un petit shiny qu'on n'attendait pas. Bon, en général, ça m'arrive quand je. Enfin, d'être chanceuse, d'avoir des petits chiffres, entre guillemets, quand je chasse pas, en fait. C'est quand je veux pas le shiny, il tombe. Et quand je le cherche, je fais des chiffres en ce moment qui commencent à être un petit peu trop gros. Ah, mais si tu les as recherchés, ça va super. Ben le Léviator Shiny, il est obligatoire, on va dire.
c'est pas de la chance, c'est normal, tout le monde l'a eu. Suicune et O, c'est un petit peu plus difficile déjà. J'en ai pas mal de Shiny aussi. Ça commence à faire une belle collection, petit Gotham. Si je commence à arrêter de compter, ça sera pas super, ça avancera pas. Non, personnellement, j'échange pas les shiny et parce que je vais essayer de me faire un petit peu la collection complète, même si ça va être très très long. Et les doubles et les triples et les quadruples en général, c'est des distributions pour les grandes occasions. Un petit fouinette shiny là, ce serait tellement bien. Non, bon, faut pas rêver. Non, c'est même pas par génération, c'est les Pokémon qui me plaisent. Je pense que si je veux vraiment le Shiny Dex, je me mettrai vraiment à fond, mais là, disons que j'ai pas envie de rusher le truc et après de dire bah j'ai plus rien à chasser ou je vais chasser comme ça, mais ça, sans plus quoi. Disons que j'ai les versions, donc elles vont pas se barrer. Du coup, je peux me permettre de dire, moi, je fais les trucs petit à petit, même si je sais qu'il va falloir que je monte un de ces quatre, ma version Ruby et Emerald, parce que pour Rayquaza, je pense que ça va partir sur la 3G. Franchement, je trouve que c'est vraiment très chiant qu'ils aient mis un putain de shiny lock. Alors qu'avant, on pouvait, comme là, les versions Soul Silver, Heart Gold, il n'y avait pas de souci, on pouvait chasser ce qu'on voulait, les légendes, tous les légendaires, pas de souci quoi. Il y a certains shiny, mais sérieusement, me dire de le chasser 5-6 fois, ça me dérange pas en fait, c'est parce que je les aime bien et bon, après ça part dans les distributions, ok, mais genre Zorua, Doudouvé, c'est des trucs, mais c'est ok, pas de soucis. Salut Daddy, comment ça va? Ah bah, si tu penses à Liputou,
sur X en hasard. C'est plus du hasard, c'est vraiment... Le hasard, c'est vraiment tu te balades un peu partout, tu fais... Faut pas s'attendre au shiny, en fait. Genre, tu fais les EV d'un Pokémon en horde, par exemple, et tu tombes sur le shiny, bah c'est du hasard, c'est tu le cherchais pas. Ça va, Daddy, et toi? Les anciennes versions, fais attention parce que tout ce qui est cartouche GBA, il y a des fakes. S'il faut vraiment te renseigner sur à quoi ressemble la cartouche. Et tu peux en trouver dans les vide-greniers. Par contre, les prix à essayer de négocier quand même. Alors moi j'ai les versions qui me manquent. Je crois qu'il me manque or ou argent, je sais plus, cristal. Ensuite il me manque la version saphir, rouge feu. La version perle, non diamant. Pour vraiment toutes les avoir. Hein. Et je crois qu'après c'est tout. Après il me semble que j'ai toutes les versions. Coucou Joey! Et ouais, je chasse de bon matin. C'est, je me suis dit, allez, je suis levée, je vais faire de la chasse. Et après, je me suis dit, c'est bon, on va faire ça. Hein. Je vais me motiver en live. Qui me fait le chat? Eh hein! Viens ici! Espèce d'idiot. On va pas dans les sachets. Plus de sens ici. Je suis toujours là. Et apparemment, le son a pas bugué de mon côté. Désolé, le chat qui fait des conneries. Joey, c'est quand que tu te mets au safari? Ça rapporte pas mal de points. À moins que tu sois avec les plumelines en mode vengeance ou type 0. Par contre, je pense que je vais arrêter le live vers 11h15, parce que j'ai pas mal de petites choses à faire, j'ai le repas surtout. Et ouais, c'est la Saint-Valentin, mon dieu. Devoir faire des choses un petit peu plus, on va dire, sophistiquées. J'ai l'envie, donc je risque... Non, je risque à la rigueur de... Peut-être cet après-midi, si j'arrive à faire ce qu'il me faut au niveau administratif. Peut-être que je vais restreamer. Ah bah oui, si tu veux jouer. Tu vises quoi en fait avec les coups de boule là-bas? Oh, mais il est vraiment chiant le chat aujourd'hui. Je jure. Ayez des chats. Bah, je veux bien te croire, surtout. Enfin, je trouve que sur Soul Silver, les chats sont assez. Ça passe bien. Ça a un bon rythme, cette version. Et puis rien que les starters. Ah, y'a Balignon dans... avec les coups de boule. Ok, sympa ça. Donc, j'ai pas le niveau pour.
pour la forêt de job, mais ça peut être sympa, effectivement. Là, ici. J'imaginais. Norfang, en fait, c'est, je trouve que tu peux le trouver un peu partout. Coxyclac, c'est que... Enfin, Coxy, tu peux l'avoir, mais c'est que le matin. Donc du coup, si tu peux effectivement l'avoir à la forêt de Jade avec les coups de boule, c'est pas mal. Togedemaru, moi je trouve que en fait tu le vois, enfin je trouve que le shiny, si tu loupes les étoiles, tu le remarques pas. Le shiny ne change quasiment pas, c'est dommage. C'est comme le Goopix Alola en fait, quand je fais des œufs à chaque fois je regarde parce que j'ai peur de le louper. Autant le Sablette, je vois la différence, mais le Goopix, apparemment, il est un peu plus rose, mais je pense que tu peux passer à côté. C'est comme Grenouille. Enfin, Grenouille, si, c'est un peu plus... je trouve que c'est flagrant. Même Ramolos, où il n'y a pas beaucoup de différence, à force de faire les œufs, c'est... On s'habitue à la couleur assez rose, en fait. Du coup, Joey, tu as combien de coups de boule? Manière que je rigole, en fait. Manière de voir à quel point on a du sel. À la version blanche, c'est salé. Je pense que je vais encore remonter à 20 cas rencontres. Alors par contre, si je chasse peut-être ce soir éventuellement, si monsieur ne fait pas trop de bruit puisqu'il va jouer à For Honor, je crois que je continuerai le safari mais avec Feu Faux Rêve, vu que Chouinette n'est que le jour malheureusement. Mon côté ça varie un petit peu les rencontres. En fait, il y a certaines choses, certains Matsuda, je suis tellement en mode stress en me disant pourvu que je relâche pas le shiny. Donc du coup, je vérifie à chaque fois parce que je dans les boîtes. Bon, ça va, Joey, si t'es à 3000 rencontres pour les coups de boule. C'est au final, moi avec mon safari, je suis à peine un peu plus avancé quoi. Alors Fouinette, pour moi Fouinette il est joli, mais c'est... Il est tout, il est mignon comme Pokémon, mais c'est son évolution. C'est franchement Fouinard Shiny, mais je l'adore. C'est, j'ai pas forcément de Shiny préféré, mais c'est vraiment plein de petits de Shiny en fait que j'adore par génération. Et Fouinette, ce serait, je crois que c'est mon Shiny préféré 2G. Il est tout rose, il est tout mignon, mais c'est vraiment, c'est j'ai presque envie en fait d'avoir une écharpe aux couleurs de Fouinette Shiny et en forme de Fouinette.
J'ai cette image-là d'un truc tout mimi. C'est juste hallucinant. Et en plus, ce cas, c'est que tu faisais des pauses pour XP les Pokémon, tu faisais un peu de SOS, à chaque fois, ça loupait jamais. Merci Fulmen pour le follow. Non mais c'est... même Dali, je crois qu'il avait pas forcément beaucoup de chance. Non, c'était Blaziken. Enfin bref, je crois que la WSHC nous a tous salés. Joey, il faudrait que je fasse une vérification, voir si c'est possible. La Love Ball avec le talent caché. Ben, je crois que non, en fait. Fouinette, je crois qu'il est pas disponible avec la Love Ball. Je crois qu'il est pas disponible sur Sun et Moon, moins que je me trompe. Donc c'est... Tu m'aurais dit qu'il aurait une Ball normale, j'aurais dit ouais. Parce que, juste pour le fun. Ok, c'est un Pokémon niveau stratégique, c'est les abysses, mais juste pour me faire plaisir, en fait. En fait, ça dépend des Pokémon, petit peu, honnêtement. Fouinette, qui passe, enfin Fouinard, qui soit rose, c'est franchement niveau couleur, c'est génial. Je trouve sublime. En revanche, des Pokémon comme Dracolos, qui passe du rose au vert, vert dégueulasse, là, j'avouerai que c'est un peu plus dommage. Ouais, encore, ce serait la Dream Ball, ouais. Mais je pense que ça va être plus dur à faire. Et puis, si j'avais su que le Dream World, ce soit aussi important, j'aurais farmé ça, mais j'aurais pris tous les Pokémon, je les aurais reset en femelle et tout, mais j'aurais... tous les jours, j'aurais pris des Shiny, enfin des Pokémon différents, ça serait fait un stock monumental. Je suis un peu dégoûtée, je trouve que c'est la fonctionnalité sur le Pokémon Global Link qui manque. C'est d'avoir des mini-jeux, mais vraiment les mini-jeux, comme à la 5G, mais il était juste parfait. Avec les baies que tu arrosais manuellement, tu pouvais jouer tranquillement sur la console en même temps. Et en faisant tes mini-jeux, tu choisissais le Pokémon que tu voulais en ami. Donc tu galérais un petit peu, mais c'était juste excellent. Et ils ont supprimé. Évidemment, comme toujours, quand il y a un truc, une fonctionnalité intéressante, ils zappent. Non mais c'est Daddy, les rencontres sur... Moi en fait, depuis toutes mes versions 5G, mais elles sont à plus de 11K, je pleure. Donc ma version blanche, elle est partie pour faire 20K rencontres. La noire, j'ai pas réessayé. Je t'avouerai, puisque j'essaye plutôt ma version Soul Silver, qui m'a donné le Simulabre Shiny en 750 reset, sympa. Et le pire, c'est dans la journée, je fais quoi, 3 reset, je recommence le Simulabre, je le vois brillant, je le vois shiny, je fais what. Je commençais bien la journée. Dracolos, moi pour moi, c'est le vert qui me gêne. Franchement, je le trouve dégueulasse. C'est comme Mentali, il y en a qui adorent Mentali shiny, moi je l'aime pas du tout. Alors que j'adore le Pokémon, les couleurs de base. Ouais, c'est ça. C'est comme il y avait certains events, Joey, que tu passais, je crois que c'était par rapport à la GameCube. Tu pouvais avoir un Linéon avec vite extrême et le talent caché. Celui-là, je suis un peu dégoûtée parce que un Linéon connu au bidon vitesse extrême, c'est. Ça surprend. Franchement, celui-là, si je pouvais l'avoir. Sans légite, ce serait génial. Salut Impaisible, comment ça va?
Mais en fait, moi, c'est. J'ai pas aussi très. Enfin, beaucoup joué, Daddy, c'est ça qui. C'est dommage. Et quand, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, ils enlèvent le Wi-Fi, Internet et tout ça de l'ancienne pour regarder juste la dernière. Et je trouve que c'est dégueulasse. Rendez-moi. Montrez-moi, leur pitié. C'est comme là, ils ont pas refait de boutique avec les Pokémiles. Alors que quand tu vas dans la Pokébank, même pour les versions Sun et Moon, ils te demandent si tu veux les Pokémiles. Ça sert à rien. Et oui, ça faisait longtemps. Je suis toujours sur Twitter, mais moins sur Twitch. J'avoue que là, une baisse de motivation certaine pour l'IV, plus la WSHC et le fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux streamers en fait, je me suis dit ouais, j'ai pas forcément envie de me refaire ma place. C'est lequel, MPS Diablo? De skin que tu voulais sur Overwatch. Ah, j'espère, ou même qu'on le retrouvera même avant. Parce qu'il y avait le Poké Radar, l'application, pas l'objet de torture, où tu peux encore avoir genre les Boreas, enfin les trois génies avec le talent de Rimworld, enfin je crois, et la forme totémique en plus. Et tu peux avoir. Il me semble encore que ça marche. Donc tu peux. Il n'y a que certains Pokémon que tu peux avoir. Il y a deux têtes. Il y a. Comment il s'appelle? Cryptero, Riolu. Enfin, t'as des petits Pokémon comme ça. Il faudrait que je réessaye d'ailleurs l'application. Que je regarde la liste qu'il y avait. Et que la synchro. Et si la synchro marche toujours? Mais ils y sont pas tous, quoi, c'est ça qui est chiant. Ah, il est fonctionnel, d'accord. Ouais, c'est la seule possibilité pour avoir les Pokémon avec la Dream Ball et. Franchement, ils auraient fait payer. Ils auraient une fois qu'ils avaient supprimé le truc du PGL, ils auraient fait l'application pour avoir les talents de Dream World comme ça. Franchement. Même il l'aurait fait payer juste 5 euros, je l'aurais pris. Au moins, juste pour avoir les trucs avec la bol. Non, sympa, MPS Diablo, sympa. Chopper, je l'ai pas en skin du Nouvel An. Reinhardt, je l'ai eu. J'ai eu celui de Zenyatta. Mei, le rouge. J'ai eu. J'ai celui de Traceur de Symmetra, je crois. Et après, je sais plus. Anna, si Anna. Oh, il est déjà. Merci Aldrin pour le follow. C'était les distributions, ça, Joey. À moins que ce soit via Rossa. Ce qui est possible. Mais ce qu'il y a de bien avec les distributions, c'est qu'il faudrait qu'ils les refassent à chaque fois. Ce qui a été distribué avant, qu'ils puissent le redistribuer la version suivante, ça serait bien. Non, mais faut pas rêver non plus, c'est Game Freak. Hein. Alors, le Fantominus sur le Shiny Bash Quest, je dois être à 3000. Non, pas 3000, 2300, un truc comme ça, 2400. Je me suis plus focalisée du coup sur le Safari. En fait, je mets des chasses en pause et après j'essaie de les faire plus tard. Sachant que même dans le Safari de nuit, vu que j'aimerais bien Feu Forêt,
qui est dommage que Arbok ne soit que le jour, malheureusement. Donc du coup, Fantominus et Spectrum peuvent apparaître. Mais c'est... voilà, c'est, j'essaie de... Je pense que je vais essayer vraiment de me remettre à chasser Fantominus. Venir de passer la première arène, ce qui va être assez folklore. Ouais, c'est ça le jeu Game Freak, ouais. Écrit comme ça, c'est parfait. Déjà, j'attends de voir avec la Switch ce qu'ils vont nous faire. Tour sur Twitter. Depuis quelques jours sur Twitter, j'arrête pas de voir des loutres, c'est mignon. Alors sur ma version noire, quand j'avais de la chance, autour des 4000 ça tombait, ou même un peu avant. Ce serait bien que la version Soul Silver, ça ne fasse pareil. À la fois j'ai envie de te dire si les 5€ de la Pokébank permettent à ce qu'ils entretiennent les serveurs et à ce qu'ils les maintiennent, pour éviter que ça disparaisse, parce que si tu veux, le jour où ça va disparaître, bah toutes tes versions intérieures, tu pourras pas rapporter les Pokémon ou les Shiny que tu veux, si tu veux vraiment faire la collection. Donc du coup ça peut être très chiant. Donc franchement 5€, c'est, je trouve que c'est pas, pour une année complète, c'est pas excessif. Ça aurait été 5€ par mois, je t'aurais dit non, c'est bon, là, c'est un peu trop cher, je me serais démerdée. Mais pour des gens qui font du Masuda, c'est extrêmement bien. Parce que ça te permet de stocker tes élevages. Surtout quand tu fais de la distribution. Et de stocker ton Pokédex quand tu veux, si tu veux le charme chroma ou pas. Il faut que je finisse le Dex 7G, que je le mette dans la Pokébank et voilà. Si jamais j'en ai marre du Masuda et que je me dis j'ai envie que ça aille plus vite, je prendrai le charme, et encore je suis même pas sûre. Je vais attendre que ma version Sun démarre un peu. C'est vrai que si j'y retouche pas, elle va pas décoller. C'est, franchement, c'est, ils ont sur certains jeux, ils font payer des, je pense à Fire Emblem, si tu veux qu'il y ait des nouvelles des maps un peu event et tout ça, où ils le font payer, c'est pas forcément grand chose à chaque fois, mais mis bout à bout, bah, ça te fait énorme quoi. C'est l'impression parfois d'avoir des gens en kit. Donc là, franchement, la Pokébank, ça va, en réalité. Et puis là, c'est bien pratique dans le sens où, bon, là, pour transférer les Pokémon de Sun et Moon, et en plus de ça, c'est l'aspect pratique dans le sens où tu peux continuer à faire de l'élevage, par exemple, ou avoir des parents sur Rossa, enfin sur la 6G. Non, je voulais pas la stable, je me clique. Non, la fuite, c'est bien. Donc du coup tu peux stocker encore, enfin, et après si t'en as vraiment besoin, tu transfères sur Sun et Moon petit à petit. Moi c'est ce que je fais avec ma pension de luxe. C'est je demande à la personne sur quelle version, parce que tout le monde ne veut pas forcément sur Sun et Moon. J'ai encore des demandes sur Rossa. C'est étonnant, hein, franchement ça m'étonne. Mais bon.
Et à chaque fois, chaque année, si tu renouvelles, à chaque fois, tu as un petit cadeau. C'est la dernière fois, je crois que c'était tous les Régis, là. Salut psychédélique. Pardon, excuse-moi. Pas ta paix. Allez, j'espère que tu vas bien. Franchement, il y a des pseudos, mais ils sont un petit peu durs à dire sur la fin. Alors, pour le brindibou, j'en suis à 621. J'ai arrêté parce que j'étais sur d'autres chasses. J'avais toutes les consoles qui étaient prises. Et quand je veux bien chasser avec 5 consoles, faut garder un certain rythme. Et du coup, avec le brindibou, c'était pas possible du tout. Et je me dis que j'ai envie que lui il tombe en live. Enfin, le plus possible. Donc, du coup, je l'ai mis en pause. Mais il faudrait que je le reprenne et en vrai que je fasse en parallèle, enfin d'avoir deux consoles, d'alterner un petit peu, mais de faire un Shiny Bash Quest. Un qui serait sur 1 sur 8192 avec Soul Silver et l'autre sur Sun. Allez. Et encore, même pour le Shiny Bash Quest, je sens gros comme une maison. Je vais reset. Enfin, je veux dire pour Sun, enfin pour Soul Silver. Ça y est, je me mélange. Je chasse le Fantominus et je vais tomber sur le vieux Ratata. Je le sens bien. Je le sens bien. Mine de rien, j'aurais bien avancé ce matin. Enfin, ça dépend. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est chiant ça. Attendre pour les méga gemmes, mais surtout, t'es obligé de participer à leur truc quoi. Si tu les veux, toutes les méga gemmes. Parce que si tu veux vraiment cibler que les méga gemmes qui t'intéressent, parce que tu as déjà les Pokémon. J'ai un Tyranossif Shiny, le pauvre il a même pas. Enfin, m'a soudé exprès pour faire la méga. Je regarde, je vérifie. Les méga disponibles dans Sun et Moon, j'ai pleuré.
Bah bon courage, enfin, tu sais petit potam lequel tu veux faire de starter en fait, sur Sun et Moon. Effectivement, c'est plus rapide comme ça et c'est juste qu'il va falloir attendre pour les jeux vraiment. Moi, ce qui me saoule, c'est de n'avoir qu'une balle de Johto. C'est un truc de fou, c'est... Tiens, on fait du fan service, on te donne la balle noix grume. Ouais, ils les ont remis, ça veut dire qu'ils ont fait un magasin pour... Non, fuck. Dégage. Non mais on t'a déjà redonné la balle que tu aimais. Ça va, tu veux pas non plus qu'on ouvre un magasin dessus. Non mais c'est bon, hein. Si je trouve ça dégueulasse. C'est pour ça que je passe du temps à l'échange miracle. Pour essayer de tomber sur des Pokémon qui ont ces bols-là. En fait, que les gens ont fait de l'élevage dessus. Alors Goopix, c'est Alola, j'en ai vu, mais avec des Lune Balls. J'en ai vu avec des Love Balls. Moi je l'ai avec la Scuba. Mais franchement, c'est génial de voir ça. Salut Klingel, comment ça va? Mais bientôt, ça va faire 300 rencontres. Depuis le début du live, yes, c'est bien. Bah disons que je pense que tout le monde... Enfin... Peut-être pas tout le monde, mais qu'il y a une petite baisse de régime... au niveau de la chasse au bout d'un moment, hein. Selon ce que tu fais IRL, c'est... Moi c'est début du lancement de la Toast TC, j'ai pas forcément beaucoup chassé, puis avec les distributions, pas évident. La fin du mois, quand j'ai un petit peu de boulot, ça va être pareil, c'est... je vais pas forcément chasser énormément. Et le première semaine de mars, pareil. Le boulot qui rentre, c'est bien. Hein. Franchement, ça me... Je suis contente. Bon, pour le niveau chasse, c'est pas forcément la même. Bah moi, franchement, Archiduc, en shiny, je le trouve sublime. Et même pour et après si tu veux chasser vraiment, tu peux avoir un shiny de chasse qui est pas stagé, qui est pas forcément trop mal. Bah moi c'est j'ai chopé un Brindibou avec les bases d'Eggmoof. À l'échange miracle, j'ai fait je prends. M'en fous des IV, je prends. Ah, ça aussi, ouais. Je comprends, Klingel. Bah, la chasse sur PokéTools, je vais t'avouer, Joey, ça reprend. Une fois que la Tools STC est finie, ça reprendra qu'à partir du 14 avril. Moi je pensais faire une pause un peu plus grande, mais les dates ont fait que avec l'équipe. Non, ça reprend le 14. Ça va être un petit event assez original. Donc en gros, il y aura deux équipes de chasse, 5 contre tout le monde. Je peux vous dire, il va y avoir du vol de points. Les racailles de la Team Skull seront de sortie. Hein, Joël? Il faut surtout que je prépare la liste de Pokémon. Oh, voilà. Je suis déjà dans le prochain event, en fait. Déjà à chercher
comment tourner le truc, ce serait intéressant. Ah, d'accord. Et de toute façon, je pense que... Alors, le logo au-dessus, à gauche, oui, c'est Alouette qui l'a fait. C'est... je le trouve... Et je le trouve super classe, en plus. Après, je sais que pour l'été, normalement, on a quelque chose de prévu sur Poketools, un peu comme, comme l'année dernière. Ça aura pas le même nom, mais ce sera dans le même genre. Oui. Puis, il faut que je prépare les autres distributions. En fait, Brindibou, il est trop mignon, je trouve. C'est vraiment le truc kawaii. Et par contre, l'évolution de Milieu, j'aime pas. Et Archidu, voilà, c'est Archidu, c'est magnifique. Ils ont très bien réussi le design. Il peut avoir chauchage, mais aussi... il peut faire que le Pokémon adverse ne fuit pas. Il peut se soigner en plus. Un petit clonage, ça passe aussi. Mais après, c'est vrai qu'entre la WSHC plus la Tools TC. On n'a pas forcément beaucoup soufflé. C'est normal, je pense, que de faire une pause après et vraiment de. Après, ça dépend de ce que tu appelles les défis en cours, en fait. Si c'est des chasses particulières. Ou si c'est par rapport à de la strat ou d'autres jeux tout simplement. On essaie de faire un contenu un peu varié, sachant que le prochain event il va être un petit peu plus fun. Ce sera pas que de la chasse à l'ancienne ou des chasses un petit peu plus. Là ça va être un petit peu. Ça va être beaucoup plus libre. Mais. Plus libre, mais attention. Parce que vous risquez de pas être avantagé du tout. Bah Kingle, moi c'est ce que j'ai fait, c'est je me disais pareil. Puis j'ai fait aussi une chasse au safari des pas safari concours d'insectes. Alors j'ai trouvé un magnifique papilludium avec un magnifique Fantominus qui prend les chocs mentaux comme une merde. C'était absolument magnifique. C'est le fail garanti. C'est en vidéo. C'est sur ma chaîne YouTube. C'est magique. C'était du sel en boîte. Donc je me dis qu'avec la chance que j'ai, ben au moins je vais assurer 3 points. Et qu'ensuite, je vais avoir du sel. Ou pas. Ou pas. Salut Zaldin TV, comment ça va? Et mine de rien, il est déjà 11h. Enfin, je pense que je vais continuer encore un petit quart d'heure. Et je vais... m'éclipser parce que j'ai des choses à faire, je vais essayer de revenir après dans l'après-midi. Disons que le papillusion, je l'avais eu dans un safari. Tes amis, ok, j'avoue. Mais là, en concours d'insectes, j'étais super contente et finalement, le fail absolu. Ça va, ça va. Franchement, Hoot-Hoot, moi, il me dérangerait pas parce que j'ai une Noirfang Shiny, mais j'ai pas le Hoot-Hoot dans la collection.
Allez. Merci Kingel pour le follow. Du coup, franchement, cette alerte, elle réveille. Ah oui, mais c'est en fait c'est Lost de Soul Silver Heart Gold. Alors celle-ci, c'est quoi? C'est la route 47. Je trouve que Lost est magnifique. C'est puis toujours avoir le bruit du safari, rencontre et tout. C'est pas. Je trouve que c'est beaucoup mieux d'entendre de la musique en continu. Voilà, ouais, c'est ça, c'est de l'ambiance détente. Si je me dis pour réveiller en douceur, si j'endors trop de monde, je passe sur du hard rock metal, y a pas de souci. Mais ça nique un peu la VOD. C'est ça qui est dommage. Non, mais quand j'ai commencé à streamer, je faisais des lives avec de la musique un petit peu héroïque à fantasy. Bon, je niquais à chaque fois la VOD, c'est pas un souci ça. Mais ça faisait une petite ambiance café. Limite, tu prends un café, tu prends un thé, tu te mets devant le stream et voilà. Ça marche, Joé. À toutes. Enfin, ou ouais, peut-être cet après-midi. Tiens, la musique du safari. Ah non, c'est pas. J'écoute pas forcément des trucs violents en fait. Et même quand je dis métal, c'est pas vraiment du très très gros métal, ce sera plutôt. plutôt axé de métal opéra ou tout ça, c'est vraiment. C'est le gros métal où il se défonce la voix dessus, non, c'est. Ça m'intéresse plus du moins. J'aime pas forcément qu'on s'agueule de trop. Voilà. Non mais là c'est, je veux dire, c'est à part si j'ai vraiment le shiny qui tombe où je mettrais peut-être la musique du jeu, mais là je trouve que c'est, ça donne une ambiance un petit peu tranquille au live de mettre la musique du jeu, mais la laisser défiler. Puis je trouve que franchement les musiques d'Argon Soul Silver sont vraiment très jolies. C'est pas que j'aime pas celle de Sun and Moon, mais c'est pas la même ambiance. Oui, non, mais tout ce qui est host de Pokémon, ça passe, ça nique pas les VOD. Mais dès que tu vas mettre des playlists, même des trucs un petit peu fantasy, ambiance, ça dirait que ça nique les VOD, quoi. Disons que ça les nique pour, si tu veux vendre monétiser. Mais sinon, en général, quand je fais les lives, c'est surtout pour l'ambiance. J'ai envie de me faire plaisir en live. Même l'ambiance Rossa ou XY, même niveau musique, je parle, ça m'a pas transporté, alors que 5G, je suis pas forcément très 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 fan. Je préfère celle de Ruggle. Safari Zone, ok. Non, franchement, je préfère Lost qui défile que entendre ça en boucle. Bah, disons qu'il y a des musiques qui sont bien, mais il y en a d'autres, c'est.
C'est pas aussi varié, on va dire. Je l'ai chopé Lost de Sun and Moon, je pourrais très bien le passer, mais c'est au bout d'un moment tu as envie de le couper. Il y en a 2-3, tu les passerais presque en boucle. Oui, disons qu'il y en a toujours certaines, ou même sur Rosa, il y a la musique de Timmy, il y a la musique de... Comment elle s'appelle l'autre? Ah, j'ai perdu son nom. Il y en a certaines qui sont marquantes, mais il y en a d'autres, tu... C'est pas... disons que l'ensemble n'est pas forcément super. La musique de la Team Skull colle très bien à la Team Skull, mais je l'aime pas forcément. C'est pas Lost, musicalement, c'est pas celle que je préfère. À Marylis. Merci Daddy. J'avais un trou de mémoire. Même si les musiques de rencontres, enfin des dresseurs qui t'agressent, elles, ça, c'est vraiment... Il y a certaines, elles sont juste magiques. Mon dieu. Il y a même des musiques, mais je les avais complètement zappées, oubliées. Par contre, il y a des musiques qui sont oppressantes. Je crois que la musique qui m'a le plus traumatisée en étant jeune, c'était la musique de Lavandia sur Pokémon Rouge, Rouge-Bleu. Oh, je détestais cette zone, je coupais le son. Salut Ironexus, tu arrives à la fin du live. En plus, je veux dire, il reste quelques minutes, je pense que je vais essayer d'atteindre les 3700. Non. Oui, l'avant-ville. Oh purée. C'est ça, c'est je fatigue. Lavandia, c'est dans Rosa. C'est vrai, c'est juste. Musique de Team Rocket. Ah, franchement, la Team Skull est vraiment niveau histoire et tout, je la trouve super. Mais là, pour moi c'est Team Rocket, pour moi c'est meilleur.
Ouais, je fatigue à 11h parce que je suis debout depuis quasiment 5h30. Merci les chats de faire les cons à cette heure-là. Et que j'ai pas pu m'endormir, donc du coup... je dis un peu n'importe quoi, et je fatigue ou je suis pas réveillée. Choisissez l'option que vous désirez. Cochez. Ah, je rêve d'une version où on peut incarner une des teams des vilains. Oh purée. Là c'est pro mon argent Game Freak, mange-le. J'ai continué un petit peu, il n'est pas encore 11h15. Salut Chitri, comment ça va? Pile poil à la fin. Ah, je peux pas couper. Franchement, je peux pas couper cette musique, ah non. Ah non, parce que... Non, sur Switch, mon dieu. Achète la console, vas-y. Mais ils la sortiront jamais. Pour les 20 ans de Pokémon, ils auraient pu le faire, franchement. Ça aurait tellement... Je pense que ça aurait marché. Oui, je coupe parce que j'ai pas mal de choses à faire en cuisine. Et ça me va me demander beaucoup de temps pour que ce soit prêt à midi. Sinon, j'aurais continué jusqu'à midi, mais là, non, pas aujourd'hui. Je vais essayer quand même cet après-midi de faire toute la paperasse que j'ai à faire rapidement. Éventuellement de lancer un live. Comme ça, je peux reprendre Fouinette. Bah, c'est gentil d'être passé. Ah oui, non, mais la musique de la Team Rocket, c'est magnifique, quoi. Je peux pas couper. Bah alors j'ai, en fait, comme c'est la Saint-Valentin, donc j'ai des bouchées au foie gras, pain d'épices à faire, j'ai un bœuf bourguignon à lancer, le dessert je l'ai fait ce matin déjà, donc ça va, ma crème au chocolat elle est bien, elle est parfaite. Donc peut-être éventuellement m'avancer pour ce soir, mais c'est long, en fait c'est long à préparer et à cuire. Oh non, mais là c'est. Surtout que monsieur travaille, il doit repartir assez tôt, donc du coup, je préfère que ce soit prêt quoi. Alors, une fois que la musique sera terminée, je vais couper le live. J'ose pas couper la Team Rocket, hein, non, c'est sacrilège. Merci, Ironexis. Ah! Allez, la dernière rencontre, on va dire que ça fasse un chiffre plus ou moins rond. Et les pas shiny. Et du coup, je vais vous laisser. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure, à cet après-midi, enfin j'espère. Et j'espère que vous aurez aussi plus de chance que moi en chasse. Allez, des bisous !